Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon sanctuaire où je vous propose de découvrir les origines des fêtes et coutumes traditionnelles. Alors préparez-vous un bon chocolat chaud, installez-vous confortablement dans votre canapé et plongez avec moi dans l'univers des célébrations ancestrales. La Saint-Valentin, célébrée le 14 février, est aujourd'hui associée à la fête des amoureux. C'est pourtant une célébration très ancienne, inspirée de rites païens et romains de la fécondité, dont quelques traditions ont perduré et dont il subsiste encore aujourd'hui certains rituels, comme l'envoi de cartes à son Valentin ou sa Valentine. Considérée comme la fête des couples, autant que de ceux qui cherchent l'âme sœur, la Saint-Valentin est également une période où l'on célèbre plus généralement l'amitié et l'amour. Si l'on attribue généralement les origines de la Saint-Valentin aux festivités romaines, les historiens s'accordent à reconnaître que bien avant cette époque, les peuples païens célébraient déjà des cultes liés au retour de la vie et à la fertilité. Les Celtes, par exemple, fêtent Imbolc le 1er février. Ce rituel de purification prend place à la fin de l'hiver et célèbre les prémices du printemps, ainsi que la fin des trois mois les plus sombres et froids de l'année. Cette fête pourrait avoir pour fondement un culte lié à la fécondité, la période correspondante à l'agnelage, c'est-à-dire au moment où les brebis mettent bas et allaitent leurs petits. Mais c'est la Chandeleur, fêtée le 2 février, qui prendra la place de cette fête de la purification et de la fécondité dans le calendrier chrétien, plutôt que la Saint-Valentin. La fête de la Saint-Valentin trouve aussi son origine dans les festivités romaines des Lupercales. Cette période de fête, liée aux origines de Rome et célébrée du 13 au 15 février, était aussi un rituel de purification et de fécondité, dont la tradition la plus marquante reste la course des Luperques, donnée en l'honneur du dieu Faunus, dieu de la forêt, des troupeaux et de la fécondité, appelé aussi Lupercus. À cette date, les prêtres de Faunus sacrifiaient un bouc à leur dieu dans la grotte du Lupercal, au pied du mont Palatin, où selon la légende, une louve avait allaité Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. À l'aube du 15 février, des groupes de jeunes gens se réunissaient au Lupercal, et ces Luperques, vêtus d'un pagne et armés de lanières taillées dans la peau du bouc sacrifié, se lançaient dans une course folle autour du Palatin, fouettant de leurs lanières tous ceux qu'ils rencontraient, et en particulier les femmes souhaitant avoir un enfant dans l'année afin de les rendre fécondes, mais aussi les femmes enceintes, qui pensaient s'éviter ainsi les douleurs de l'enfantement ou faciliter leur montée de lait. Suivait ensuite un grand banquet dédié à Junon, déesse du mariage, chargée de protéger les couples et de présider aux accouchements. La tradition voulait que chaque jeune fille présente inscrive son nom sur un parchemin qu'elle déposait dans une grande jarre. Puis chaque garçon devait tirer au sort le nom de la jeune fille qui resterait avec lui pendant tout le banquet, ce qui facilitait les rencontres et parfois les mariages. Interdite en 494, le pape Gélase Ier remplace ces célébrations païennes par une fête chrétienne de l'amour et de la fécondité. Mais c'est le pape Alexandre VI, autrement dit Rodrigo Borgia, connu pour ses mœurs dissolues, qui fait officiellement de Valentin le saint patron des amoureux en 1496. Ce qui n'empêche pas l'Église de combattre certaines coutumes, qui dureront jusqu'à la fin du Moyen-Âge, comme celle dite du Valentinage, qui accordait traditionnellement aux épouses un jour de liberté avec un Valentin célibataire, choisi par la dame ou tiré au sort. Le 14 février, ce sont en fait plusieurs Valentins qui sont béatifiés, mais Saint Valentin de Terni est celui qui est le plus généralement associé à cette célébration de l'amour. C'était un prêtre romain qui vivait au IIIe siècle, sous le règne de l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter des soldats pour ses armées, Claude se dit que les foyers, les femmes et les enfants de ses hommes en étaient la cause,
et prit la décision d'interdire les mariages. Mais le prêtre Valentin continua tout de même à marier secrètement les jeunes amoureux, et quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter. Selon la légende, pendant que le pauvre Valentin était en prison, il se lia d'amitié avec Julia, la fille de son geôlier, qui était aveugle de naissance. Durant sa captivité, la jeune fille tomba amoureuse du prisonnier, qui lui racontait la beauté du monde, tandis qu'elle lui apportait des vivres. Un soir, un miracle se produisit. Une lumière jaillit de la cellule de Valentin, et Julia vit pour la première fois. Mais courroucé par ces événements, l'empereur Claude ordonna l'exécution immédiate de Valentin. En guise de martyr, il sera roué de coups et décapité sur la voie Flaminia le 14 février 269. L'histoire raconte que juste avant de partir pour son supplice, il envoya à sa bien-aimée un petit mot d'amour signé « Votre Valentin ». Valentin fut canonisé en 1496 en l'honneur de son sacrifice pour l'amour et devint officiellement le saint patron des amoureux. Au Moyen-Âge, selon la tradition courtoise de la fine amour, l'observation de la nature désigne la date du 14 février comme le jour idéal pour flirter, car c'est aussi le début de la saison des amours chez les oiseaux et les prémices du printemps. Les célébrations associées à la Saint-Valentin encouragent alors les idylles naissantes. Dès le XIIIe siècle, la protection de Saint-Valentin s'appliquait donc surtout aux jeunes gens qui cherchaient l'âme sœur. Et les festivités visaient précisément à donner aux célibataires l'occasion de trouver un partenaire pour la soirée ou pour la vie, reprenant le rituel romain du banquet des Lupercales. Et c'est à cette même époque que les noms de Valentin et Valentine devinrent vraiment synonymes d'amoureux, d'amants, peut-être par homophonie avec le terme d'ancien français « galantin », qui désignait de façon un peu ridicule un homme amoureux. Dans la littérature courtoise, les mentions de Saint-Valentin comme saint patron des amoureux se développent au XIVe et XVe siècle, surtout en Angleterre. Et même Ophélie dans Hamlet de William Shakespeare déclame « Demain, c'est le jour de la Saint-Valentin, et de bon matin, je serai là, servante à ta fenêtre, pour être ta Valentine. » Différentes coutumes existaient selon les régions, comme par exemple des parties de cache-cache où les damoiselles célibataires d'un village se cachaient tandis que les jeunes garçons avaient pour objectif de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvaient durer le temps de la soirée ou aller jusqu'au mariage. Des processions étaient parfois organisées pour célébrer le jour des amoureux. Les hommes, et Valentin, devaient choisir une cavalière pour les accompagner aux processions. Si l'expérience avait été agréable, les amoureux, touchés par les flèches de Cupidon, s'échangeaient alors des lettres d'amour. Certaines traditions actuelles de la Saint-Valentin se fixent d'ailleurs au XVIIe siècle. Les Valentins et Valentines s'envoient alors des cartes qu'ils fabriquent eux-mêmes pour y composer leur déclaration d'amour. Tandis qu'à la cour de Versailles, les belles proposaient un chocolat chaud à leurs prétendants, tradition gourmande qui perdurera dans l'habitude de s'offrir des chocolats. À partir du XIXe siècle, les traditions et les festivités de la Saint-Valentin vont retrouver l'intérêt des populations et se développer dans le monde entier. De nos jours, si la fête est souvent décriée comme étant purement commerciale, elle reste un moment festif pour les couples comme pour les célibataires de tous les pays, qui adoptent diverses traditions et petits rituels. En France et en Occident de manière générale, les couples s'offrent des fleurs, de petits présents, des chocolats, et les amoureux apprécient traditionnellement un dîner aux chandelles, préparé par leur moitié ou dans un bon restaurant. C'est aussi une occasion de déclarer sa flamme à l'élu de son cœur, ou de sortir s'amuser entre célibataires. Les festivités sont assez semblables aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, mais cette journée n'est pas consacrée qu'aux amoureux. La fête insiste aussi sur le caractère amical de la Saint-Valentin.
Tout le monde réserve sa journée pour exprimer son amour à ses proches, et les enfants font des spectacles, confectionnant des cadeaux et des cartes qu'ils offrent à leurs parents, leurs camarades et même à leurs professeurs quand ils n'ont pas déjà un amoureux ou une amoureuse. En Égypte, à l'approche de la fête, tout devient rouge. Les vêtements, les cadeaux, les magasins, tout est entièrement dédié à la couleur de la fête de l'amour. Des ours en peluche géants, aux immenses cœurs vermillons, en passant bien évidemment par les fleurs. D'ailleurs, à Taïwan, offrir 108 roses rouges à une femme le jour de la Saint-Valentin équivaut à une demande en mariage. Au Danemark, les hommes n'offrent pas de roses rouges à leurs dulcinées, mais des fleurs blanches. Ils envoient aussi des poèmes romantiques ou amusants, mais plutôt que de les signer, ils se contentent d'inscrire un nombre de points correspondant au nombre de lettres dans leur nom. Les femmes doivent ensuite élucider l'énigme pour retrouver leur admirateur. Si elles y parviennent, elles recevront un œuf de Pâques en cadeau. En Écosse, la tradition veut que la première personne du sexe opposé que l'on croise puisse devenir son Valentin ou sa Valentine pour la journée. Il est possible de l'inviter à dîner ou de lui offrir des fleurs, mais rien n'est obligatoire. Au pays de Galles, la fête des amoureux se célèbre le 25 janvier, avec la tradition de s'offrir des love spoons, des cuillères en bois gravé, mais aussi des cadenas ou des clés qui symbolisent l'attachement à l'autre. Au Japon, à la Saint-Valentin, les femmes offrent des chocolats aux hommes, à l'être aimé, mais aussi à leurs collègues de travail masculins, à leur patron ou encore aux membres de leur famille. Les hommes qui ont reçu les chocolats ont l'opportunité d'offrir à leur Valentine un cadeau en retour lors du White Day, célébré le 14 mars. En guise de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie de couleur blanche. Ces traditions sont assez peu répandues en Finlande, mais chaque année est organisé pour la Saint-Valentin un concours original, le championnat du porté de femme. Il s'agit d'une course d'obstacles durant laquelle le mari porte sa femme, et celui qui termine la course le plus vite remporte le poids de sa femme en bière. Tandis qu'à Singapour, la nuit de la Saint-Valentin, les femmes célibataires écrivent le nom de leur bien-aimé ou des mots d'amour sur des mandarines et les jettent dans la rivière, dans l'espoir de trouver un mari aimant et fidèle. La Chine fête aussi la Saint-Valentin le 14 février, mais une deuxième fête des amoureux y est plus importante encore. Cette tradition est connue sous le nom de Qixi, ou jour du double 7. La légende raconte l'histoire d'amour d'un éleveur de bovins et d'une fée qui vécurent très heureux jusqu'au jour où la mère de la fée s'opposa violemment à leur union. La déesse des cieux obligea sa fille à remonter au ciel et grava pour les séparer éternellement une large rivière dans le ciel, la Voie lactée. Mais une fois par an, la septième nuit du septième mois, tous les oiseaux du monde prennent pitié des amoureux et volent vers le ciel afin de former un pont permettant ainsi aux jeunes gens d'être ensemble pour une nuit unique. Lors de cette fameuse nuit, les femmes de chaque maison qui sont encore célibataires ou jeunes mariées sortent dans la cour accrocher une guirlande de fleurs. Elles font ensuite une offrande à la fée et à son mari, composée de fruits, de fleurs, de thé et de poudre de riz. Ainsi, chaque époque et chaque pays a sa façon symbolique ou poétique de célébrer ce jour particulier de la fête de l'amour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles fêtes et coutumes traditionnelles.